Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'espace ça. Ou même qui montez à bord avec nous pour première fois, pas oublier, on va aller faire geste là. Il y a un bouton subscribe en bas, pèsez pour que vous vous déconnectez, pour que vous pèsez cloche là tout, pour que vous rejoignez nous chaque fois que nous voyons des informations additionnelles. Nous portons pour update sous dossier destitution Donald Trump, un dossier que nous avons suivi pour vous, nous avons suivi à la minute. En fait, en pile immigrant, justement, tu as besoin de connaître. Est-ce que tout bon, oui? Donald Trump pral perdre du pouvoir. Qui j'en bagaille, qui nouveau déroulement qui gagne dans le dossier ça? En clarifier pour vous. Normalement, si c'est pour démocrate, vous avez la quitte. Déjà, vous avez une quantité de vote. Nous venons faire connaître que les démocrates ont avlé avant Thanksgiving là, pour mettre Donald Trump à tête. Pour yo, justement destituer. Bien entendu, deuxième mi-temps, après pas démocrate, vous pral jouer. Au niveau du Sénat, côté que Donald Trump pral vraiment connaître. Dernier sol, pour qu'on ait tout bon vrai, est-ce qu'il a perdu pouvoir? Vendou bien, c'est l'espoir de Donald Trump, dans le moment où on a parlé, c'est sénateur républicain, justement, qui vous a sauvé, lorsque il t'a joint et vote pour ne pas destituer. Est-ce qu'il y a une garantie à 100%? Ça nous connaît. Dernière information qui sortit, rendre le travail là compliqué. Le travail là compliqué pour républicain, yo. Dans l'éventualité pour voter en faveur de Donald Trump. Parce que, une argument que vous avez, c'est que, premier, en fait, whistleblower, ça veut dire agent qui dénonce ces bagages-là, c'est suivant les will dire, ça veut dire c'est tendé, c'est rapporté, c'est rapporté, c'est collègue qui dit. Mais, c'est argument ça en peu là, dans vous avez. Je voulais vous dire argument ça n'a pas qu'un pour qui ça, parce que, vingé, il y a un deuxième agent, un deuxième whistleblower, il fait avocat, il prend la rue tout. Il dit lui-même, il y a information de première main. Ça veut dire qui ça? Il tendait avec Zorelli, il ouait avec Degel, il kembe, on dit, Debra, en fait, il kembe Donald Trump, avec tout argument qu'effectivement, monsieur tape fait pression sur son président, qui c'est président Ukraine, pour capable faire investigation, monter dossier sous adversaire, qui c'est Joe Biden. Donc, nous parlons de Louis Blower Kounila qui a information de première main. Ça veut dire qui ça? Argument certain, républicain ta bay pa kembe kounya parce que ou vin gen yon whistleblower qui connaît information yo de première main. Nan moment nan pale a gen an pile républicain qui ont ti jan rete silence. Yo pa vle parler trop parce que yo connaît que son dossier qui brûlant. Y a tan à la dernière minute pour konn ki sa ou pral décider. Yo pa vle di sa ou pral fè. Parce que pour eux même, en fait pour an pile connaît la notion de sécurité, là on parle de et yo connaît bien c'est un bagage qui est complètement illégal mais y a obligé rester silence y a tant à la dernière minute pour connait qui ça va décider parce que de temps en temps gain nouveau donné cap vini sous dossier a qui vinn rendre vraiment difficile pour capable faire avocat de Donald Trump dans moment et gain en fait quelques rares qui dit effectivement dans comité droit mais lui-même dit effectivement et bagay sa, c'est un bagay tête chargée, cette histoire que Donald Trump a invité des pays de l'étranger pour interférer dans l'élection au pays d'Haïti, dans l'élection aux États-Unis. C'est un bagay qui est illégal, c'est un bagay qui est très grave. Tout de suite après déclaration, ça a Donald Trump couru derrière mes droits pour faire comprendre que c'est lui-même qui était délit. Alors que tout le monde connaît, mes droits mettent une popularité pour être capable de gagner l'élection pour devenir sénateur. Et il grand temps reproché mes droits mais comme quoi il était prophète pour devenir secrétaire de state et parce qu'il pas mal job bon. Donald Trump c'est du tac au tac bien entendu mais vers de l'est mes droits mais fait connaître que Zach Sayo c'est des actes répréhensibles, c'est des actes que lui-même qu'il pas tolérer avec aucun prix, il pas prend ça justement pour Donald Trump. Et l'autre information qui est importante, ça tombe exactement dans le moment où on a parlé là. C'est que, en guise de ou deuxième whistleblower, il a parlé de multiple whistleblower, have come forward. Tête chargée. Ma prenne pour nous, multiple whistleblower have come forward. Ça veut dire, ce n'est pas deux simplement dans le moment où on a parlé. Il y a un bon whistleblower qui choisit de parler. Mais il pense que c'est trop à tort. Il choisit de parler sous dossier. Ya. Et tout prend même avocat. Donc, même avocat, ça, qui te représente premier agent, qui te normalement écrit plainte que le fait pour Trump, pour décider de bagarre que le pensée,
qui est illégal, qui est indigne de la part du président. Et bien, avocat, ça a dit, je ne veux dire, il s'est représentant de plusieurs whistleblowers qui sont en connexion avec Kesla. Donc, nous m'y il dit, lui, c'est représentant de plusieurs whistleblowers qui sont en connexion avec Kesla. Et donc, ça pour nous comprendre, c'est que lorsque tout whistleblower ça a been forward, c'est que lui vient solidifier Kes contre Trump. Là. Donc, nous, on a parlé là, dans la Maison Blanche, justement, c'était chargé. Parce que, il n'y a pas compris, nous, problème Donald Trump, il dit, en fait, il t'a parlé avec associé, il dit pas grand, qu'un président qui t'a ramené là. Ça n'est pas legacy, ça veut dire, sans quitter, dans mémoire où, qu'on son président qui t'a impeach. Quel que soit l'agent viré, lui, même lorsqu'il t'a échoué dans le Sénat, justement, son bagage sale, lorsqu'on président, il impeach. OK? Donc, ça t'avait dit que Donald Trump, justement, pas t'a ramené ça. Et gagné et des proches de Donald Trump, qui a fait comprendre que Donald Trump t'a même choisi de missionner parce que t'as impeach. Nous voulons parler de ancien directeur exécutif de l'organisation Trump qui a dirigé, c'est lui-même qui fait déclaration ça. Et pour Donald Trump, premier whistleblower là, c'est un monde qui est partisan. Peut-être qui ça, parce que lui-même, Léo, ouais, qui. Monsieur, c'est un démocrate. Bien entendu, tout le monde a droit pour un parti politique. Ça va empêcher qu'on travaille dans l'État à plusieurs données. Ça va retirer le droit pour gagner, pour dénoncer les bagailles qu'on pense qui, justement, injuste, qui est indigne de la part de un président, qui est illégal. Donc, c'est dans ce sens-là que le premier ministre a été pris là. Et donc, point commun, ça pour nous comprendre, non, on a parlé, hein. Puisque espoir Donald Trump, c'est seulement sous sénateur qui peut sauver lui. Mais je vous dis, défendre Donald Trump comme un impeachment, chaque jour plus, chaque heure, chaque minute qui a passé avec nouvelle révélation, vini beaucoup plus difficile pour certains sénateurs qui t'avaient fait job ça. Que je vous dis, a préféré rester en silence, attendre que les dossiers viennent joindre à la dernière minute. Ou yo di, qui ça que yo pral fait? Déjà, gen des sénateurs républicains qui prennent pression la kayo. Ok, par exemple, nous gen sénateur Susan Collins. Il est obligé de parler. Il dit même, il pense que le président fait un big mistake. Lorsque il a demandé pour investiguer les gens qui ont opposé à elle. Et gagné sénateur de Nebraska à tout. Ben Bass, ok? Et donc, il pensait que son bagage très mal que le président en fait. Donc, ça pour. En fait, qui vient faire. En fait, ça vous vient comprendre que dans le dossier, pas de garantie. Comme quoi, à 100% que le sénateur républicain pourra le protéger Donald Trump. Son dossier qui charge à suspense, charge à rebondissement. Entre temps, Donald Trump commence à faire pression indirecte sur certains des républicains. Vous devez comprendre que les gros bon majorité républicaine en main et qui mettait de la tête, ça fait que au même tout, il pas gagné dans l'élection. Monsieur a joué sur popularité qu'il gagne au sein du parti républicain pour que justement il t'a forcé que tout sénateur rallié. Il t'a fait connaître que il pas toléré aucun dissident. Mais ça, vous comprenez, je vous dis, contrairement avec d'autres lois, côté que le président a fait pression, puisque le gars doit dissoudre tel bagarre après, ça me parle plus nous. Mais ça, vous comprenez, qu'on est là, si effectivement, on va aller, les républicains qui mettent ensemble de la tête, c'est eux-mêmes qui gagnent un projet dans le moment. C'est eux qui ont décidé de destin. En fait, c'est une première fois qu'on est dans l'histoire, pendant au cours de mandat de Donald Trump. Que ces sénateurs, qui pourraient confirmer est-ce que Donald Trump a prêté justement au pouvoir. Ça qui peut dire dans l'histoire, ça, c'est que M. Donald Trump, un président peu orthodoxe, n'a pas vraiment mis une équipe, même contrairement avec ça et Nixon,
moun ki pase avan ki te gen problem même pitch, men ki te impeach, yo te gon ekip, ki yon ekip de kriz, ki gen des eksper, ki pou ap jere dosya, ki pou kontrole, ki sa pou prezident di, ki sa pou prezident pa di. Jounen je di ya, ou gen yon prezident ki lèl vle anik monte sou Twitter, tu te salve, ou gen nan media kap agi par impulsion, kap agi du tak o tak. Napwa ke Donald Trump, nan plusieurs paroles, il mande impeach Pelosi, impeach tel moun, se kom kwa di map impeach ou tout. Ou bagan gen kote kekri nan loa ki bay prezident doa pou l'impeach yo. Depite, sa pa existe an ken kote. Notamment, toujou etil, au sein de l'Assemblée, tout Assemblée gen doa, si deux tiers di yon moun pa la, yo ka met wate, si sel pason. Donc Donald Trump ki vle repon du tak o tak, men, efektiveman, dossier sa, se yon dossier kote ke Donald Trump vreman kwense nan dossier sa. Donc voilà, nou te pote update sa pou, pou nou fò komprann sa kap pase. Tout dernyan nouvèl yo, nan mete ou kouman. Men, yon djou la, deadline la, avan Thanksgiving, demokrati yo bezwen fini avèk bay sa, pou pouye dezyèm mitan, al jwe, nan kan sena, kote nou pral konnen tout bon vre, sa pral pase, eske de Donald Trump apate. En tout cas, nou menm nou la, a chak kafou, tout denye devlopman pou nou pote ou pou nou fò komprann, sa kap pase, sa k soti, nan dosye destitisyon Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump, justement, ki touve nan problem aux États-Unis. Mem jan, e, avèk Jovenel Moïse, justement, an di ki preske ap konjuge ou pase nan peyi d'Haïti, telman ke l pa gen kontrol nan sa kap devoli. Donk, red bonche konekte avèk nou, si vous moutez premier fwa bon, isi la babliye, konekte, subscribe, cloche, pou kapab jwenn tout informasyon ki nan partaje. Pote nou bien!